avons évoqué au cours d'une émission précédente la perte du Canada français à la faveur de la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de faire écho à cet épisode en vous racontant aujourd'hui ce qu'a été pour la France à la même époque et dans des circonstances à peu près analogues, la perte de l'Inde. Alors l'Inde, il faut d'abord rappeler que les Français y sont des tard venus. Les premiers Européens à aborder les côtes indiennes, on le sait, ce sont les Portugais dans la foulée du voyage de Vasco de Gama. Ensuite, ce sont les conquêtes d'Albuquerque et pendant plusieurs décennies, l'océan Indien est de fait un lac portugais. Après eux viendront les Hollandais qui s'installent à Ceylan au début du XVIIe siècle et puis ensuite les Anglais que l'on voit établir des comptoirs à Madras en 1639 et puis à Bombay en 1661. Madras sur la côte du Coromandel à l'est de l'Inde et Bombay sur la côte du Malabar à l'ouest donc du subcontinent indien. Au départ, les Français qui vont dans ces régions sont en fait isolés. C'est le cas par exemple d'Augustin Hiriart, un artisan bordelais au service du Grand Mogol qui va réaliser d'ailleurs le fameux trône au pan qu'utilisait ce souverain indien. C'est le cas de Pirard de Laval, un négociant qui va s'échouer aux Maldives, qui sera fait prisonnier ensuite au Bengale, libéré par les Portugais et qui va revenir en France et raconter à ses compatriotes ce qu'ont été ses aventures, ce qui va susciter un certain intérêt pour cette Inde lointaine. On peut citer également Jean Moquet, un apothicaire parisien qui voyage dans le Deccan, dans le subcontinent indien donc, et qui va d'ailleurs rendre compte de ses voyages au roi Henri IV. Mais il faut attendre Richelieu et ses grands projets maritimes et coloniaux pour que le pouvoir politique s'intéresse véritablement à un projet d'expansion dans ces régions. Richelieu a bien compris que si l'on voulait faire contrepoids à la puissance navale de l'Angleterre, il était nécessaire d'être présent sur ces mers lointaines. C'est dans ces conditions qu'est créée la Compagnie des Indes orientales qui se pose en rivale de la Compagnie hollandaise des Indes orientales et de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Compagnie qui va être ensuite reprise en main, réorganisée par Colbert au début du règne de Louis XIV et qui, sous l'impulsion de François Caron, va commencer à installer des comptoirs à Surat, à Sao Tomé, à Masulipatam sur les côtes indiennes. L'une des réalisations les plus spectaculaires, c'est l'installation d'un comptoir à Chandernagore à proximité de Calcutta, qui est déjà une place anglaise de première importance. Ensuite, en 1674, François Martin va, lui, fonder Pondichéry, sur la côte du Coromandel, toujours sur la côte orientale de l'Inde. Pondichéry qui doit se poser en rival de l'anglaise Madras. Quand François Martin, devenu directeur de la Compagnie des Indes, meurt en 1706, les Français sont donc déjà bien présent dans cette région, même si la guerre de la Ligue d'Augsbourg a quelque peu perturbé les choses. Guerre de la Ligue d'Augsbourg qui oppose la France de Louis XIV à une coalition européenne et au cours de laquelle les Hollandais s'emparent un temps de Pondichéry que la France va récupérer cependant lors du traité de Ryswick en 1697. En tout cas, jusque-là, la seule activité qui intéresse les Français sur ces côtes indiennes, c'est le commerce, c'est l'existence de comptoirs susceptibles de favoriser des échanges. Mais certains acteurs, certains agents de la compagnie ni des Indes veulent voir plus loin et commencent à penser à une expansion territoriale. Expansion territoriale qui peut s'opérer en jouant sur les rivalités entre les princes indigènes. Et les Français ne sont pas mal placés pour mettre en œuvre une politique de cet ordre. Ils sont en effet présents à l'île Bourbon, nous appelons aujourd'hui la Réunion, donc dans le sud de l'océan Indien, déjà depuis un certain temps. Et en
1721, ils s'installent à Maurice, île occupée naguère par les Hollandais, et qui va devenir à ce moment l'île de France, hein, un relais, une station militaire et commerciale de première importance sur la route des Indes. Tout cela va être développé par un acteur essentiel, Mahé de la Bourdonnais, gouverneur de l'île de France, qui va en quelque sorte affirmer la présence française dans ces régions, à proximité donc des côtes indiennes, à l'époque où l'île de France est une étape obligée pour faire voile au-delà du cap de Bonne-Espérance en direction des côtes du Deccan. Ce relais des îles Mascareignes, hein, qui comprennent l'île Bourbon, l'île de France et également l'île Rodrigue, est évidemment très important dans l'océan Indien pour y exercer une influence, un contrôle sur les routes commerciales en direction de l'Inde. Alors la compagnie est réorganisée au début du XVIIIe siècle, en 1723. Un gouverneur, Henri de Fulvy, va décider de développer l'influence française en Inde. Il va fonder de nouveaux comptoirs. En 1725, c'est Mahé. En 1739, c'est Karaikal. En 1750, c'est Yanaon. Les deux premiers sur la côte de Coromandel. Le troisième, sur le golfe du Bengale. Tous ces comptoirs qui sont sous l'autorité de celui de Pondichéry, qui est la résidence du gouverneur de la compagnie. Alors des gouverneurs de qualité inégale se succèdent. Le gouverneur Lenoir n'est pas vraiment à la hauteur, mais en 1735, François Dumas, qui avait été auparavant à l'île de France, va pousser l'influence française en Inde en se mêlant des querelles qui opposent les princes indigènes. Hein. Et le grand Mogol voit cela d'un bon œil, puisqu'il lui confère le titre de Nabab pour avoir protégé un roi du Carnatic contre la puissance marathe qui est alors en pleine expansion en Inde. En tout cas, cette présence française, cet activisme français inquiète, comme on s'en doute, les Anglais, et les guerres que connaît à l'époque l'Europe vont avoir évidemment des échos outre-mer, notamment la guerre de succession d'Autriche, qui se déroule de 1740 à 48 et qui oppose entre autres la France à l'Angleterre. Au début, on souhaite du côté français que ces territoires coloniaux demeurent neutres dans ce conflit. On souhaitait éviter de s'affronter avec les Anglais et on négocie avec eux dans ce sens. Hein, Mahé de la Bourdonnais aux îles Mascareignes, Dupleix devenu gouverneur de la Compagnie des Indes en Inde même. Mais les Anglais, évidemment, comme d'habitude, ne respecte rien, et un vaisseau français, le favori, est arraisonné par leur flotte, ce qui va entraîner la rupture des négociations, et la guerre va s'installer dans la région. Mais cette guerre voit Mahé de la Bourdonnais s'emparer de Madras en 1746, Madras qui était l'une des positions clés des Anglais, et en contrepartie, l'Anglais Boscawen est incapable de s'emparer de Pondichéry. Et quand survient la paix d'Aix-la-Chapelle, eh bien les Français rendront Madras aux Anglais. Cela va ulcérer Dupleix, mais Louis XV, grand seigneur, a décidé qu'il voulait négocier en roi et pas en marchand, selon son expression, et Madras est ainsi rendu à la perfide Albion. Toujours est-il qu'à ce moment, c'est Dupleix qui est le maître de la politique française aux Indes, mais ses moyens sont évidemment limités. Hein, les effectifs en termes de troupes sont faibles, les troupes indigènes qui sont recrutées sont de qualité médiocre, hein, et la métropole est bien loin, avec une Angleterre qui, sur le plan naval, bénéficie d'un rapport de force supérieur. Hein. Alors, on va quand même poursuivre une politique d'action et d'influence en s'appuyant sur des princes indiens favorables. Hein.
Duplex va fournir à certains des cadres pour former leurs forces armées. Il va obtenir en contrepartie un certain nombre d'avantages. Cet activisme porte ses fruits. Bussy, qui est l'un des agents de Duplex, va installer sur le trône d'Hyderabad un prince indien favorable aux Français. Et progressivement, de cette manière, les Français établissent sur la péninsule du Deccan, hein, qui correspond à la majeure partie de l'Inde, hein, au sud de la vallée du Gange, hein, eh bien, les Français vont établir une sorte de protectorat indien. C'est chose faite pratiquement au début des années 1750. Ben, la riposte anglaise va forcément survenir. Les Anglais ont sur place deux hommes de qualité, Thomas Saunders et Robert Clive, qui vont être parmi les fondateurs de l'Empire anglais des Indes. Et à l'inverse, du côté français, d'Auteuil et Lord Lauriston vont connaître des échecs dans leur tentative d'intervention dans la région du Carnatic, notamment lors du siège de Trichinopoli, où ce sont les Anglais qui finalement réussissent à s'imposer, à prendre une quarantaine de canons aux Français et à leur faire 600 prisonniers. Les Français tentent d'effacer cet échec en assiégeant de nouveau la place, mais sans succès. Et pendant ce temps, il faut bien le dire, à Paris ou à Versailles, eh bien, on ne suit pas véritablement les efforts qui sont consentis sur place. On soupçonne Duplex d'aventurisme militaire, en quelque sorte. Hein, on lui reproche son activisme en Inde, qui risque d'entraîner la France à une confrontation durable avec l'Angleterre, au moment où l'on souhaite l'apaisement, avec Londres. Hein. On envoie même une commission d'enquête confiée à un certain Godeux, qui débarque à Pondichéry, et cette commission d'enquête va conclure en défaveur de Duplex, qui est rappelé en France ruiné et désespéré. Hein. Godeux négocie avec l'Anglais Thomas Saunders un armistice entre les deux compagnies. Les Français lèvent le siège de Trichinopoli qu'ils s'efforçaient de reprendre, et puis on aboutit même en 1754 à un véritable traité de paix, mais un traité de paix qui s'opère au détriment à l'évidence de la France, puisqu'elle doit renoncer à son intervention dans les affaires indigènes, et puisque l'influence qu'elle avait réussi à développer dans le pays se trouve ainsi compromise. Ce traité Godeux, de toute manière, il n'a pas le temps d'être ratifié, puisque la guerre de 7 ans débute dès 1756 en Europe et va avoir évidemment des échos en Inde, comme elle en a eu au Canada. Hein. En 1754 déjà, avant même la guerre, Robert Clive s'est emparé de Chandernagor, le comptoir français. Godeux a été rappelé en France. Il est remplacé par un homme peut-être prometteur, hein, Thomas Arthur de Lally, baron de Tollendal. On attend beaucoup de lui. Hein, c'est un descendant d'émigrés jacobites, de partisans des Stuarts, au service de la France. Hein. Il est d'origine irlandaise. Hein. Il a combattu brillamment à la bataille de Fontenoy, où il a été remarqué par le roi. Il a ensuite participé à l'aventure de Charles-Édouard Stuart, le fameux bonnet prince Charlie, qu'il a accompagné jusqu'à la bataille finale de Culloden. Et il est nommé par le roi gouverneur des Indes et lieutenant général. Mais derrière ce titre ronflant, il y a peu de moyens. Hein. Les effectifs en soldats sont faibles. Il n'en réussit pas moins à conquérir tout le sud de la côte de Coromandel, mais en même temps, il n'a pas de véritable aptitude au commandement, se fâche avec un certain nombre de ses subordonnés, se fait beaucoup d'ennemis, ce qui n'est pas évidemment souhaitable dans ce genre de circonstances. Hein. Pondichéry est assiégé par les Anglais et finit par capituler en janvier 1761. Lally est fait prisonnier, libéré, il rentre en France, parce qu'il entend bien se justifier, parce qu'à Versailles, on est très critique, évidemment, pour sa gestion des événements. Il va passer 18 mois en prison.
il va être jugé, condamné à mort et décapité le 28 mai 1763. Avec une opinion publique qui approuve en quelque sorte sa condamnation, hein. On voit par exemple Madame du Deffand qui tient l'un des salons les plus en vue de la capitale, qui fait partie de la France tout à fait éclairée, eh bien elle nous dit que Lally est mort comme un enragé, on a été content de tout ce qui a rendu son supplice plus ignominieux. Donc on le voit, l'épisode avait laissé des traces dans l'opinion française et le malheureux Lally Tollendal a été un petit peu le bouc émissaire de l'échec indien. Dans le même temps, Robert Clive bat le nabab du Bengale à Plassey, victoire majeure pour l'Angleterre, hein, c'est l'annonce du début de trois siècles d'hégémonie anglaise sur l'Inde, et en 1763, le traité de Paris fait que la France perd tout sauf les fameux cinq comptoirs réciter les enfants des écoles de la République à une époque, n'est-ce pas, Chandernagore, Yanaon, Karikal, Mahé et Pondichéry. Cela dit, l'influence française demeure, les sympathies de certains princes demeurent acquises à la France, hein, notamment c'est le cas du sultan de Mysore, Hyder Ali. Quand se déclenche la guerre d'indépendance américaine qui met en difficulté les Anglais, il se révolte, il va bénéficier du soutien du bailli de Suffren qui se trouve dans l'océan Indien, hein, et qui va infliger cinq défaites successives à la flotte anglaise durant cette période, durant cette séquence. On a même un co-expéditionnaire français qui va débarquer en Inde pour venir soutenir Hyder Ali, co-expéditionnaire commandé par Bussy, mais qui lui, faute d'effectifs suffisants, ne sera pas en mesure de faire basculer les choses. Les victoires françaises sur mer ne suffisent pas pour que la France puisse revenir en Inde comme certains l'ont espéré. Ce n'est pas fini pour autant. Le fils d'Hyder Ali, Tipu Sahib, lui, se révolte à son tour. Hein, il a été obligé de signer en 1784 le traité de Bangalore qui acte la domination britannique sur le Deccan, mais à la première occasion, il va se soulever de nouveau. En 1789, hein, il se révolte, bat le Raja de Travancore qui était un allié des Anglais, mais il est battu ensuite par l'anglais Cornwallis. Ce n'est pas fini pour autant. En 1798, Tipu Sahib attend du directoire français qu'il le soutienne dans une nouvelle insurrection. Au moment, faut-il le rappeler, où Bonaparte est en Égypte et y remporte les succès initiaux que l'on sait. De quoi inquiéter, bien sûr, à Londres, hein. Wellesley, pour le compte de l'Angleterre, le futur duc de Wellington, va assiéger Tipu Sahib à Seringapatam, hein, sa forteresse du Deccan, et c'est là d'ailleurs que le chef indigène en question va mourir en octobre 1798. En fait, en Inde, à ce moment-là, on voit bien que s'effondre le fameux rêve oriental de Bonaparte, hein, ce rêve oriental qu'a si brillamment évoqué, comme on le sait, Benoît Méchain. Hein. Au bout du compte, la France ne va garder que ses cinq comptoirs des Indes, hein, Chandernagore, Pondichéry, Yanaon, Karikal et Mahé, hein, qu'elle conservera jusqu'en 1954, date à laquelle elle les remettra à l'Union indienne qui a accédé à l'indépendance, on le sait, en 1947. Alors, quelles leçons tirées de cette quelles leçons tirées de cette aventure indienne? On a une situation un petit peu comparable à celle que l'on a connue au Canada à la même époque. La France, une fois de plus, s'est avérée incapable de porter une vision globale. L'Angleterre, puissance maritime, puissance coloniale, elle a géré ses intérêts à l'échelle planétaire. La France, puissance continentale, qui doit
se défendre éventuellement sur plusieurs frontières n'a pas une vision assez large des choses. Elle ne dispose pas de cette vision globale des choses, alors que si l'on fait le bilan, elle avait sans doute les moyens de tenir tête victorieusement, de rivaliser avec cette puissance anglaise en pleine ascension. Les victoires navales notamment remportées pendant la guerre d'indépendance américaine, les victoires du bailli de Suffren que j'évoquais tout à l'heure dans l'océan Indien, montrent bien qu'en fait rien n'était écrit, mais il a manqué sans doute à la monarchie finissante une volonté politique suffisante pour que l'Inde pût rester dans le domaine de l'influence française. Il y a peu, je vous parlais du destin tragique de la marquise de Brinvilliers, destin qui avait pris fin sous l'épée du bourreau en 1676. Il était donc logique que je vous parle aujourd'hui d'une affaire qui a fait encore un plus grand bruit sous le règne de Louis XIV, une affaire qui est considérée comme la suite de la précédente. La marquise de Brinvilliers n'avait-elle pas déclaré pendant l'un de ses interrogatoires « Si je parlais, il y a la moitié des gens de la ville et de conditions qui en sont et que je perdrai ». Elle annonçait l'affaire des poisons. Voltaire, quant à lui, écrivait dans son siècle de Louis XIV « L'ancienne habitude de consulter les devins, de faire tirer son horoscope, de chercher des secrets pour se faire aimer, subsistait encore parmi le peuple et même chez les premiers du royaume. » Voltaire décrit une mode assez inoffensive, mais il court aussi des bruits sur des pratiques plus malsaines, voire sordides, on parle d'empoisonnement et de messe noire. C'est dans cette atmosphère qu'une lettre anonyme est déposée dans un confessionnal de l'abbaye des Jésuites rue Saint-Antoine, une lettre qui prévient d'un complot contre Louis XIV et son fils qu'on viserait à empoisonner. Évidemment, le roi prend l'affaire très au sérieux et ordonne une enquête. C'est Gabriel Nicolas de la Rémie, premier lieutenant général de police de Paris, qui est chargé de cette enquête. Et cette enquête le mène à une détenue de la prison du Châtelet qui est justement emprisonnée pour des faits d'empoisonnement. Elle-même, de fil en aiguille, le conduit jusqu'à une Madame Catherine de C, épouse mon voisin, dite la voisin, qui va se révéler être le personnage central de l'affaire des poisons. Cette Lavoisin s'est installée comme voyante. Elle a étudié tout ce qui existe comme science occulte, chiromancie, astrologie, lecture de l'avenir dans le tarot et autres boules de cristal. Tout Paris défile chez elle, de la plus modeste couturière jusqu'à l'aristocrate de la cour. En fait de prédiction, Lavoisin, qui est au cœur de toutes les intrigues, utilise ce qu'elle apprend des confidences des uns pour renseigner les autres. Elle a développé ainsi tout un réseau compromettant, mais qui fait sa fortune. Elle vend aussi une série de poudres, des plus anodines, des filtres d'amour, aux plus terribles, poudres abortives ou des poisons. Pour prix d'un empoisonnement, elle vend ses services jusqu'à 10 000 livres. Lorsque la Reynie ordonne son arrestation et obtient ses aveux lors d'interrogatoires plutôt musclés, il met au jour un véritable escadron de sorcières liées par le crime. La Pelletier, la Trianon, la Lepère, la Filastre, la Chaplin. D'après Marie Bosse, une complice de la voisin, elles étaient plus de 400 à Paris à exercer leur commerce coupable. Or, si les prédictions, encore une fois, étaient inoffensives, elles avouent aussi la pratique de messe noire avec infanticide, rituel, mené par de faux prêtres ou non, des pratiques de sorcellerie, de maléfices et tout un lot de magie noire. Les révélations prennent une tournure terrifiante. Si objectivement on peut se demander quelle est la part de vérité dans ces informations livrées par des prisonnières soucieuses de sauver leur vie et d'éviter la question surtout, il reste que l'Arénie prend en compte sans aucun discernement ni distance tous les aveux des prisonnières et les note soigneusement. L'affaire est suivie en très haut lieu et Louis XIV, devant l'ampleur du scandale, ordonne le 7 avril 1679 la création d'une cour d'exception spécialement chargée de juger et d'enquêter sur les affaires de poison, pour le moment celle de la voisin et de ses acolytes.
Cette cour tient ses audiences à l'Arsenal, qui se trouve encore aujourd'hui dans le 4e arrondissement, et elle est baptisée Chambre Ardente, un nom un peu théâtral et impressionnant, dû au fait que les débats se déroulent dans une pièce tendue de noir et seulement éclairée par des flambeaux, et surtout dans une atmosphère de secret et de solennité. Les 12 magistrats qui la composent sont des hauts magistrats du Parlement de Paris. L'Arénie est l'un des rapporteurs de la cour. Louis XIV ordonne aux enquêteurs une information exacte, sans aucune distinction de personne, de condition et de sexe. Mais il demande prudemment aux magistrats que les comptes rendus des audiences et autres interrogatoires ne soient pas consignés dans des registres, comme c'en était l'usage, mais sur des feuilles volantes. Bientôt, au fil des enquêtes, les langues se délient, de plus en plus. Lavoisin donne des listes de noms impressionnantes, trop même. Et tous les accusés livrent les noms de leurs clients, et en particulier ceux de personnages importants. Ils espèrent sans aucun doute que le prestige des personnes concernées leur épargnera une sanction trop lourde et qu'ils bénéficieront d'une forme d'indulgence, ou bien que les magistrats étoufferont l'affaire. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Et du 10 avril 1679 au 21 juillet 1682, 442 accusés passent devant la Chambre qui ordonne 367 arrestations, dont plus des trois quarts sont confirmés. Un autre aspect de l'affaire doit être pris en compte et qui peut expliquer le nombre des grands noms cités par les prisonniers. C'est de la dimension politique. En effet, au sommet de l'État, deux personnalités s'opposent, tant sur le caractère que sur la méthode. Le ministre de la guerre de Louis XIV, Louvois, et le contrôleur général des finances, Colbert. Alors non seulement ces deux ministres ne s'entendent pas, mais leurs intérêts divergent. Le ministère de la guerre de Louvois provoque des dépenses que Colbert, adepte d'une politique moins dispendieuse, voulait à tout prix éviter. Il gêne donc Louvois, qui va chercher à exploiter l'affaire des poisons pour affaiblir son rival. Le ministre de la guerre intervient discrètement, va visiter les prisonniers et leur tire des informations propres à nuire au ministre des Finances. L'on ne peut que constater que tous les grands noms compromis dans l'affaire des poisons sont soit des protégés de Colbert, soit des soutiens du ministre. On compte même parmi eux le maréchal de Luxembourg, l'un des plus fameux chefs des armées du roi, qui est mis en accusation. Il avait tort de s'intéresser à l'alchimie. Et on l'envoie en prison pendant 14 mois, puis en exil sur ses terres. Et sur la liste des grands noms de la cour, plus ou moins compromis, on trouve toute une série de personnages masculins, dont le tragédien Racine, qui est accusé d'avoir empoisonné sa maîtresse, mais aussi des grandes dames. Et si certaines d'entre elles étaient trop impliquées, elles sont parties à point sur leur terre ou en voyage en Europe, durant quelque temps. On compte parmi elles d'anciennes maîtresses du roi, comme la comtesse de Soissons, l'une des nièces de Mazarin. Mais malgré leurs qualités, certaines furent pourtant présentées devant les juges. C'est le cas de la sœur de la comtesse de Soissons, la duchesse de Bouillon, une autre mazarinette, qu'on accusait d'avoir tenté d'assassiner son vieux mari. Sans se laisser démonter le moins du monde et prenant les magistrats de haut, la duchesse fit preuve d'une grande impertinence à leur égard. Je vais laisser Voltaire, que cela amusa beaucoup, vous relater l'épisode. L'Arénie fut assez mal avisée pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. Elle répondit, là c'est moi qui rajoute en regardant l'Arénie, qu'elle le voyait fort bien, qu'il était fort laid et fort vilain et qu'il était déguisé en conseiller d'État. L'interrogatoire ne fut guère poussé plus loin. Encore une fois, sur tous les grands noms cités, la plupart furent relaxés, car pas la moindre preuve ne put être apportée pour confirmer les accusations de Lavoisin et de ses complices. Finalement, sur 300 condamnations, la Chambre Ardente ne prononce que 34 condamnations à mort, 5 aux galères et 23 au bannissement. En revanche, Lavoisin fut exécuté le 20 février 1680. Une quinzaine de femmes, parmi lesquelles la filastre, connut la même fin. Pour les autres condamnés à mort, ce fut la roue, la pendaison ou la décapitation. Nous pourrions croire que l'affaire allait prendre fin avec la mort de Lavoisin en 1680. Il n'en fut rien. La fille de Lavoisin, Marie-Marguerite, alla voir l'Arénie et porta alors l'accusation la plus grave de cette affaire, car elle impliquait la maîtresse du roi, Marie-Athénaïs de Montespan. La Montespan avait eu le tort d'aller voir Lavoisin pour lui acheter des filtres d'amour, pour garder le roi qui se lassait d'elle, se faire faire aussi des horoscopes, rien de grave. Mais la fille de Lavoisin et la filastre, ancienne complice de Lavoisin, je vous le rappelle, vont s'acharner pour compromettre davantage la maîtresse du roi en l'accusant de la mort de Mademoiselle de Fontange, qui était devenue un temps la nouvelle favorite du roi et qui avait eu le tort de mourir en pleine affaire. La fille de Lavoisin et la filastre annonçaient des preuves qui ne vinrent jamais.
Pour finir, la filastre, avant d'être exécutée, se rétracta et dit « Tout ce que j'ai déclaré est faux. Je ne l'ai fait que pour me libérer de la peine et de la douleur des tourments et dans la crainte qu'on me rappliquât la question. Je vous dis tout cela car je ne veux pas mourir, la conscience chargée d'un mensonge. » L'autopsie du corps de Mademoiselle de Fontange montra qu'elle était morte de tuberculose. Mais elle avait échappé de peu à une tentative d'empoisonnement quelque temps avant. Alors le soupçon vint facilement et le mal était fait. Les bruits couraient. La Montespan avait tenté d'empoisonner sa rivale avec l'aide de la voisine. Pourtant, quel intérêt aurait eu la Montespan puisque jusqu'au moment de la mort de Mademoiselle de Fontange, le roi s'était déjà lassé de la jeune fille. Pour autant, quand il apprit les accusations contre Athénaïs de Montespan, mère de 7 des enfants du roi, et le roi fut horrifié et ordonna à la Chambre Ardente de cesser ses investigations quand le nom de la Montespan apparaissait. Au final, les travaux de la Chambre Ardente furent suspendus le 21 juillet 1682 et les derniers accusés répartis par lettres de cachet dans toutes les prisons de France où ils moururent. En juillet 1709, le roi lui-même brûla les fiches accusatrices qu'il gardait dans une cassette et le compte-rendu de tous les travaux de la fameuse Chambre Ardente. Il mit ainsi fin à une affaire qui aura tenu en haleine toutes les sphères de la société, de la plus basse à la plus haute, et qui reste l'une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Alors, j'ai le grand plaisir de retrouver Olivier Dard, que nous avons accueilli il y a peu de temps quand il nous a présenté la réédition du livre de Paul Serrand, le romantisme fasciste. Je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il nous parle de l'évolution des droites. En effet, la question est d'actualité, tout le monde l'aura remarqué, après le séisme politique intervenu en France en 2017, avec la perspective ces jours en décembre de l'élection du président des Républicains. Il est intéressant de revenir, je crois, sur cette famille politique, les évolutions qu'elle a connues et en particulier sur la typologie classique qui avait été établie en son temps par René Raymond. Nous sommes alors dans les années 60, je crois. Hein. 54, la première édition. Dès 54, la première édition, en effet. Mais il y en a eu un certain. Par René Raymond qui distinguait, nos auditeurs le savent, une droite légitimiste, une droite orléaniste et une droite bonapartiste et qui dans toute l'histoire contemporaine de la France essayait d'établir des continuités venant confirmer cette intuition. Alors le débat encore une fois est d'actualité, dans quelle mesure est-ce que cette grille d'interprétation demeure pertinente aujourd'hui et quelles sont les directions vers lesquelles pourraient s'orienter les droites françaises ou ce qui tient lieu de droite française aujourd'hui dans notre paysage politique. Alors, tout d'abord, Olivier Dard, René Raymond, donc vous venez de le rappeler, formule cette analyse donc au milieu des années 1950. Il revient en gros sur la période des 19e et première moitié du 20e siècle, donc hein, sur 150 ans de vie politique française. Et autant que je me souvienne, à l'époque, cette appréciation, cette interprétation fait pratiquement l'unanimité parmi les spécialistes au point qu'elle est devenue tout à fait banale, tout à fait classique. Ou au contraire, est-ce qu'il y a des points de vue qui pointent certaines insuffisances ou certaines contradictions ? Alors, à l'origine, effectivement, en 1954, quand René Raymond publie la première édition de ce qu'il appelle « La droite en France » et pas les droites, D'accord, France, on est, du point de vue de l'histoire, de l'historiographie, et notamment de l'histoire politique, dans une situation extrêmement difficile, puisque l'école des annales domine, à l'époque, ce qu'on appellerait, toute la sphère bourdieusienne, le champ. Oui. Alors, ce qui fait que René Raymond, effectivement, qui à travers ce livre va relancer l'histoire politique, est relativement isolé et effectivement la typologie qu'il propose va progressivement s'imposer. Elle s'impose, j'allais dire, faute de concurrence directe, puisqu'il y a peu de travaux sur les droites, peu de travaux en histoire politique, et que
En même temps, cette typologie, même si elle doit être discutée, elle est intéressante. Alors, elle est intéressante, mais je rappellerai également un deuxième élément dans la construction du livre de Raymond, c'est que il démarre en 1815. Oui. Et donc manque. Et ça, c'est tout un débat qu'on pourrait avoir, la période révolutionnaire et impériale. Mmh. Et au fond, ils considèrent que le schéma commence véritablement en 1815, avec effectivement ce que vous avez très bien redit, c'est-à-dire ces trois droites, hein, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, qui vont irriguer effectivement l'histoire politique française. Alors, pendant les 150 années qui vont suivre, et puis évidemment avec des débats pour savoir si aujourd'hui on est encore dans ce sillage défini par René Raymond. – Alors en même temps, ces droites, pour certaines d'entre elles en tout cas, elles sont porteuses aussi à leur époque, évidemment, de valeurs que l'on pourrait situer à gauche. Les orléanistes sont porteurs des valeurs libérales face à une restauration qui, elle, se veut traditionnaliste, et puis le bonapartisme attaché à la nation, notamment attaché à l'héritage aussi de l'empereur, le premier, quelque part se pose aussi comme une force révolutionnaire par rapport à l'ordre établi en 1815. – Absolument, et c'est d'ailleurs tout le problème qui se pose évidemment d'une approche au fond essentialiste de ces notions de droite et de gauche. Ouais. Et de même qu'il existe des droites, je pense qu'il existe des gauches, même si on parle constamment de la gauche, et on voit très bien qu'un certain nombre de thèmes peuvent passer de droite à gauche ou de gauche à droite. Et effectivement, vous en citiez quelques-uns, il y en a d'autres, hein, notamment la décentralisation va passer des droites au Parti Socialiste en 1981. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir que du point de vue de cette typologie raymondienne, au fond, elle me paraît relativement bien fonctionner pour les premières décennies. Pour les premières décennies, dans la mesure où il y a encore un lien assez étroit entre la source et, j'allais dire, le développement, entre les prolongements. Le modèle initial, en quelque sorte. Et la suite, par exemple, la référence. Alors, légitimiste pose problème, parce que vous disiez effectivement, vous parliez de la restauration, le légitimisme, c'est la grande affaire des années 1830, c'est pas affaires des années 1815-1830, mais disons que il y a une dimension effectivement traditionnaliste, l'héritage bonapartiste va être réactivé par Louis-Napoléon et le Second Empire, et les orléanistes, largement à la fois aux affaires, parce qu'il y a chez eux une part effectivement de volonté d'occuper le pouvoir, et ça je crois que c'est un élément très structurant dans la durée, les orléanistes vont eux aussi voir leur histoire se prolonger avec des hommes comme Thiers, et ce jusqu'au début de la Troisième République. Le problème, c'est de considérer d'abord à quel point un certain nombre de ces familles peuvent mourir, et en particulier la question du légitimiste. Alors je sais que si nous avons des téléspectateurs, ils vont nous dire qu'il existe encore aujourd'hui des légitimistes, j'entends bien. Oui. Mais pour en faire un des trois piliers des droites, évidemment, c'est quand même un peu plus compliqué que jusqu'aux années 1880, alors que là, le légitimiste est extrêmement important. C'est une force qui compte, jusqu'à l'affaire du drapeau. Jusqu'à l'affaire du drapeau blanc, et même, allons jusqu'au boulangisme. Oui. Bon, allons jusqu'au boulangisme et à l'effondrement du boulangisme. Mais ensuite, évidemment, les choses se compliquent. Et l'Action française, par exemple, que René Raymond place dans le sillage du légitimisme, à mon sens, emprunte, certes, à une part de cet héritage, mais pas seulement. – La contre-révolution, les théoriciens contre-révolutionnaires. – Mais, me semble-t-il, enfin, c'est pas qu'il me semble, j'en suis convaincu, l'Action française
est inséparable de l'émergence du nationalisme français des années 1880 et des années boulangistes. Et pour comprendre aujourd'hui, notamment le Front National, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de se référer au nationalisme français des années 1880 que d'aller du côté du légitimisme. – Oui, et puis même l'Action française, certes, est pour une restauration monarchique, mais on a le sentiment que ses sources intellectuelles, c'est pas tant la contre-révolution providentialiste d'après 1815, de Joseph de Maistre, Blanc de Saint-Bonnet, etc., que plutôt des penseurs comme Comte, par exemple, des penseurs positivistes, puisque l'Action française entend proposer une méthode de lecture, en quelque sorte. – La force au service de la raison. – Voilà, qui se veut scientifique, qui ne se tournerait pas vers les fondamentaux traditionnalistes qui animaient les penseurs de la contre-révolution d'après 1815. Alors vous avez évoqué, c'est intéressant je crois, le cas du boulangisme. Quelle part au légitimisme et quelle part au bonapartisme dans le boulangisme ? Alors j'allais dire un peu des deux, mais en même temps, et c'est là où on arrive évidemment aux interprétations du politiste israélien Zev Sternel, peut-être aussi, lui qui parle d'une droite révolutionnaire, la création de quelque chose de nouveau. De proto-fascisme. Alors, je ne partage pas l'idée qu'on soit dans un proto-fascisme ou dans un pré-fascisme. La formule de Sternel. Alors, je sais bien. D'ailleurs, le livre s'intitule de 78, La droite révolutionnaire, les origines françaises du fascisme. C'est ça. Voilà. Alors, les origines françaises du fascisme, ça, on pourrait beaucoup en discuter. Ouais. En revanche, l'idée, effectivement, que se crée à ce moment-là autre chose dont ne rend pas bien compte ou ne peut pas rendre compte la typologie de René Raymond, ça me paraît assez juste. Et effectivement, c'est bien une droite révolutionnaire qui se crée à ce moment-là, bon, qui encore une fois va pouvoir peut-être nourrir un certain fascisme français d'après la Première Guerre mondiale, notamment à travers des parcours comme ceux de Georges Valois, etc. Mais pour ce qui est du fascisme lui-même, il n'y a pas de fascisme italien sans le choc de la Première Guerre mondiale, etc. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Voilà. Parler de fascisme avant la Première Guerre mondiale n'a pas tellement de sens. C'est le choc terrible de la Première Guerre mondiale, avec l'impact psychologique, social que tout cela implique, qui crée les conditions générales de l'émergence d'une formule, d'un modèle comme celui porté par un tout à fait original. Par un Mussolini. Alors, en revanche, effectivement, on voit bien la naissance d'une droite révolutionnaire. Alors, ça peut effectivement nous amener à réfléchir, alors là, à ces catégories très contemporaines, mais qui sont aussi des mots-valises, du populisme, etc., etc. Mais il y a en même temps, effectivement, dans ces années boulangistes, un certain nombre d'éléments qui me paraissent pouvoir être mis en regard. À plus d'un siècle de distance, facilement, même maintenant, à un siècle et demi de distance, avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire une méfiance accusée vis-à-vis des élites. Et là, les années boulangistes, c'est vraiment la méfiance vis-à-vis des élites libérales de la République opportuniste. Là, l'idée que le peuple, au fond, pourrait être sacralisé à travers le suffrage, etc., etc., et le boulangisme, de ce point de vue, sacralise le peuple. Et bien entendu, troisième élément intéressant, la sacralisation d'un chef providentiel incarné dans la figure de Boulanger, qui pense pouvoir effectivement dépasser, alors, les partis, mais les partis politiques n'existent pas à l'époque, mais les forces sont présentes. Et là, on voit que les vieilles forces résistent, et résistent même très bien. – Mais il y a quand même… – Les vieilles jeunes forces, parce que la République n'est pas au pouvoir depuis très longtemps. – Il y a quand même du bonapartisme dans le courant boulangiste. – Bien sûr. Parce que finalement, il s'appuie sur le peuple, sur le suffrage universel, comme Louis-Napoléon, en 1870, il organise un plébiscite qui, en quelque sorte, cautionne toutes les réformes qu'il a engagées. Alors, en même temps, avec la figure du chef charismatique, disons que les clivages établis par René Raymond sont sans doute trop rigides, trop exclusifs, mais on pourrait trouver éléments… – Et on en trouve, et encore dans chaque situation, au bout du compte. Et le gaullisme dans tout ça. – Alors, est-ce que là, on est effectivement dans la tradition boulangiste
Militaire, du Alors, c'est ce que sauveur. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que cette tradition du boulangisme et du militaire et du militaire factieux, c'est une image qui va très fortement marquer le monde républicain. Et effectivement, le général de Gaulle, pendant la guerre, a pu être effectivement accusé d'être, et par la suite aussi, mais d'être un dictateur potentiel, l'homme du sabre, etc. Le livre d'Henri de Calice, de Gaulle dictateur. Ouais. Mais d'être un dictateur potentiel. Donc avec effectivement cette méfiance vis-à-vis de l'armée, cette méfiance vis-à-vis d'un pouvoir fort, et la méfiance au fond de la République des Républicains, vis-à-vis, au fond, de tout pouvoir fort. Voilà. L'adéquation pour les Républicains de la Troisième, entre République et régime politique, c'est régime parlementaire. Voilà, donc effectivement, de leur point de vue, tout ce qui n'est pas dans la République parlementaire est considéré comme anti-républicain. – Et le refus de l'appel au peuple. – Et le refus de l'appel au peuple. – 1962, quand De Gaulle organise le référendum sur l'élection du président au suffrage universel, on a le cartel des noms. De Absolument. Tout le monde est, tout le Absolument. Monde est contre et lui. De Gaulle joue effectivement la carte et du peuple voilà, contre les élites et contre la presse. – Que nos républicains institutionnels se souviennent du coup des État du 2 décembre, se souvient. Souviens-toi du 2 décembre, c'était un livre célèbre de Jules Simon. Souviens-toi du 2 boulangiste, de l'expérience pétainiste de 40. Pour rappeler un mot cruel à propos de tout ça, il y a aussi le regard porté sur l'Allemagne et sur l'hitlérisme. Hein. Léon Blum, le général boulanger allemand, est à terre. Oui, bien sûr. Entre Adolf Hitler et le général Boulanger, la dangerosité des deux acteurs n'était pas tout à fait comparable. On ne peut pas dire que Léon Blum ait toujours fait preuve d'une vision lumineuse des choses. Ça dépend des domaines, mais c'était en novembre 1932, il expliquait qu'Hitler était écarté de l'espérance même du pouvoir. Mais ce qui est trois mois avant d'y arriver. Tout à fait, mais d'ailleurs, il n'était pas le seul. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, je reprenais cette image, parce qu'il y a la persistance effectivement d'une aversion pour Boulanger et de ce qu'il incarne. Et d'ailleurs, ce qui a compliqué beaucoup les choses en France, une relation difficile souvent entre les militaires, la République, l'armée, la République. Et on le voit très bien dans les années 30, effectivement, entre les radicaux, Maxime Weygand et un certain nombre de réunions houleuses, où finalement les militaires sont considérés comme des factieux potentiels par une partie des politiques. – Les républicains à l'époque s'accommodaient très bien d'un certain maréchal Pétain. – Absolument. – Le plus républicain des chefs militaires, voilà. Mais alors, il faut en venir un petit peu maintenant au débat actuel. Il y a un élément nouveau qui est arrivé dans le paysage, c'est ce fameux populisme, ce qui est un phénomène nouveau. Le terme, quand même, est nouveau et désigne surtout quelque chose de nouveau dans la réaction contre la construction européenne, contre l'immigration. Alors, où est-ce que l'on va caser ce populisme dans notre géographie des droites? Est-ce qu'il occupe une place clairement identifiée ou alors est-ce qu'il se confond avec d'autres héritages? Alors, première chose, et on ne va pas s'écarter de la question, mais le terme en fait populisme n'est pas aussi nouveau qu'il y paraît. Il est nouveau en France, mais je rappellerai que le populisme a existé en tant que tel, notamment en Amérique du Sud. Oui. Du côté de chez Perron, etc. Donc il y a une histoire du populisme. Ce qui est effectivement nouveau, c'est de voir aujourd'hui ce terme appliqué effectivement à l'Europe. Alors, il est devenu en même temps ce mot populisme un mot valise qui relève. C'est pas seulement la droite. Il y a aussi des gens qu'on identifie comme de gauche, on va leur dire aussi qu'ils sont des populistes. Alors, c'est difficile évidemment de tracer des lignes droites, mais il me semble pour le coup que on retrouve, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué la question du boulangisme, on retrouve une dimension frondeuse liée au rejet des élites, au culte du peuple, à une situation économique difficile. Et les années boulangistes n'étaient pas en 85-86, au tout début du processus, sont des années économiques difficiles. Des scandales. Voilà, des scandales. De l'Union
général. Absolument, des scandales. Donc il y a, je crois, quelque chose d'intéressant, si on essaye, alors sans faire évidemment d'analogie, mais il y a quelque chose à relier à une histoire française longue. C'est-à-dire que ce qui complique évidemment les choses aujourd'hui, c'est que le phénomène est européen. Oui. Et il est européen parce qu'il s'inscrit évidemment dans une configuration complètement nouvelle, internationale, évidemment nouvelle, puisqu'il n'y avait pas de construction européenne, etc. Et il n'y avait pas d'invasion migratoire. Voilà, voilà. Mais il y a en même temps la France juive de Drummond. 1886, livre à grand succès. C'est plutôt la théorie du complot. Oui, et en même temps, c'est l'inquiétude face à l'avenir. Enfin bon, et d'ailleurs, Drummond, c'est un personnage plus compliqué que la caricature, parfois, à laquelle la caricature le réduit. Mais ce que je veux dire, c'est que… – Vous renvoyez au livre de Baudeloméni, Drummond, l'anticapitalisme national, qui montre d'autres dimensions du personnage. – Ou Bernanos, la grande peur des bien-pensants. Mais effectivement, il y a des éléments aujourd'hui irréductible à la nouveauté, hein, par rapport à ces années boulangistes qui sont la construction européenne, etc., la mondialisation, mais il y a des éléments, à mon avis, de continuité. Il y a des éléments de continuité, avec, cela étant une grande différence, c'est que aujourd'hui, et à travers le Front National, je crois que c'est quand même ce qu'il y a peut-être de plus intéressant à retenir dans toute cette histoire de ces dernières années, c'est que jusqu'alors, ces poussées ligueuses, car elles étaient portées par des ligues, ces poussées nationalistes, étaient justement des poussées. C'est-à-dire que c'était relativement éphémère. Du yo-yo, Et là, je dirais que ce qui est très frappant avec le Front National, c'est que c'est la première fois dans l'histoire française que depuis les années 1980, et là ça nous amène quand même à une histoire du siècle d'avant, qui est vieille de plus de 30 ans, voilà, qu'il existe une force politique constituée qui, bon an mal an, avec des hauts et des bas, a réussi à s'implanter durablement sur l'échiquier politique. Ce à quoi n'étaient jamais parvenues les forces antérieures, qui avaient, à l'inverse, une presse particulièrement active, des plumes particulièrement virulentes, mais qui ne parvenait pas à traduire au fond en termes politiques électoraux cette protestation. Alors, ça c'est un élément évidemment tout à fait intéressant, et un élément d'autant plus intéressant que, comme vous le disiez, il n'est pas seulement limité aux droites, car il y a effectivement, et dans d'autres pays européens et en France évidemment avec la France insoumise aussi, une protestation à gauche. Alors qui n'emprunte pas effectivement les mêmes registres, encore que on voit bien que sur les enjeux, il y a la construction européenne, il y a quelques semaines dans les débats sur l'augmentation de la contribution de la France au budget de l'UE, on a bien vu que sur le drapeau était d'accord, voilà, était d'accord au fond les partis de gouvernement et étaient en revanche violemment opposés ces forces en quelque sorte périphériques, que ce soit la France insoumise, le Front National ou d'autres électrons libres. Alors si on reprend la distinction classique de Raymond, le Front National, là, comment pourrait-on répartir les différents éléments pour cerner son identité? Parce que c'est un phénomène nouveau, on nous dit toujours c'est la droite de l'entre-deux-guerres, c'est Vichy, c'est l'Algérie, Eloi, etc. Bon, il y a des éléments qui ont contribué à la cristallisation du phénomène qui viennent de là, mais on voit bien que ça dépasse largement aujourd'hui. Je crois qu'on peut peut-être répondre déjà par la négative. Ce n'est sûrement pas de l'orléanisme. C'est construit très clairement contre l'orléanisme. Et pour le coup, on voit bien que les Républicains, si on les situe, sont très partagés sur ce plan-là. Parce que cela pose toute la question de la relation des droites au libéralisme et notamment au libéralisme économique. Donc ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas non plus du légitimisme. Donc, il nous reste, évidemment, il nous reste à mêler à la fois un héritage bonapartiste, si on reste dans la logique de Raymond, et j'ajouterais un certain héritage ligueur, mais ça, ce serait principalement
pour le Front National tel que l'avait animé Jean-Marc Le Pen, et en même temps, je crois, parce qu'il faut, c'est toujours très important comme historien, évidemment, de regarder le passé, mais il ne faut pas non plus que l'historien s'enferme dans un regard qui serait un regard, au fond, d'analogie. Bloquée. Quoi. Je crois qu'il y a effectivement une part de nouveauté, et cette part de nouveauté, elle est liée au contexte. Et elle est liée au contexte, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la mondialisation, l'Europe, etc. etc. Et le Front National, de ce point de vue, et sa situation actuelle, peut être envisagée à l'aune d'une approche, pour le coup, davantage européenne. Alors, au regard de l'histoire des droites, comment interprétez-vous la bataille à venir pour l'élection du président des Républicains ? Là, où se situe finalement Laurent Wauquiez ? Quelle signification peut-on donner aux candidatures de ses adversaires ? Est-ce que nous avons des clés utiles pour comprendre cette situation ? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Bon, entre les constructifs qui, la veille de leur exclusion, expliquaient qu'il s'agissait de pourrir la vie des Républicains, bon, on voit très bien qu'il y a des luttes de politique et des luttes d'appareil qu'on voit chez les Républicains comme ailleurs. Je crois que le vrai enjeu pour les Républicains, il est assez simple à formuler, je ne dis pas qu'il est facile à réaliser, il est un enjeu de positionnement. C'est-à-dire que s'ils veulent vivre, alors ils sont en train de perdre effectivement une partie de leur électorat, séduit par le macronisme et les réformes économiques en cours. Je crois qu'il faut qu'ils tranchent un certain nombre de questions sur le libéralisme, sur le rapport au conservatisme. Sur la question des alliances, ça va être très compliqué parce que à droite, le Front National n'a pas plus envie de s'allier aux Républicains que l'inverse. Mais en revanche, il y a un électorat, il y a des électeurs à séduire, à faire revenir quel espace politique veulent occuper les Républicains. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental pour eux, mais ce n'est pas uniquement une logique d'occupation d'espace politique, ça veut dire aussi adapter un discours, avoir un programme qui soit susceptible de séduire, et pas, comme dirait l'autre, pas forcément en même temps. Des gens qui, effectivement, n'ont pas les mêmes priorités que le gouvernement actuel. – Parce que le chef peut être séduisant, mais il faut encore qu'il présente une marchandise susceptible de retenir l'intérêt. – Et un chef qui, lui aussi, a son propre parcours, parce que de Jacques Barrault… Il vient de chez Jacques Barrault, qui venait du centrisme, MRP. Donc là, il y a quand même, si les Républicains veulent vivre, je crois qu'ils ont intérêt à clarifier leur position. – Eh bien, merci infiniment, Olivier Dard, de tous merci vos éclaircissements concernant la morphologie et l'évolution des droites. Mais je crois que nous nous retrouverons bientôt parce que vous avez en réserve, je crois, des ouvrages qui vont bientôt être publiés. Nous ne manquerons pas d'en rendre compte. Merci beaucoup.